Vous écoutez Alsatian 3, le journal. Il est 19h. La vague de chaleur qui sévit en ce moment continuera d'affecter jusqu'à dimanche 4 wilayas du sud du pays avec des températures pouvant atteindre, voire même dépasser 49 degrés, annonce l'Office national de la météo dans un BMS. Les fortes chaleurs sont le plus souvent à l'origine de départs de feu. Des dispositions sont prises par les autorités publiques pour faire face à toute éventualité. À Tizi Ouzou, responsables locaux et ceux de la protection civile ont déjà mobilisé de gros moyens, parallèlement à une campagne de sensibilisation auprès des citoyens. Renforcer les capacités de production de stockage des céréales permet d'assurer la sécurité alimentaire. Il en a été question hier lors de la réunion du gouvernement. La production a été cette année conséquente. La Indeflès s'élève à environ 2 millions d'hectares. Retour sur ce drame survenu à Msila, un accident de la circulation survenu ce vendredi a coûté la vie à 4 personnes et fait 2 blessés. À l'origine, une collision entre un véhicule et un poids lourd. Le ministère de l'Éducation nationale prépare la conférence nationale en présentiel prévue fin juin. Elle sera consacrée à la clôture de l'année scolaire 2023-2024. Deux Palestiniens sont tombés en martyr sous les balles de l'armée sioniste ce vendredi à Qalqilia en Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre 2023, au moins 549 Palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie, tués par des soldats de l'entité sioniste, mais aussi par des colons. L'armée d'occupation a usé d'armes au phosphore blanc en ciblant une zone située au sud du Liban. Guterres appelle les deux parties, à savoir l'entité sioniste et le Hezbollah, à s'engager sur la voie diplomatique et politique. Et puis championnat du monde d'handball des moins de 20 ans en Macédoine du Nord. Lourde défaite de la sélection nationale féminine, 38 à 16 face à la Suède. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. D'abord, ce drame survenu à Msila, où un accident de la circulation survenu ce vendredi a coûté la vie à 4 personnes et fait 2 blessés. Les détails avec Abdelhamid Laïdi, notre correspondant sur place. Les victimes à bord d'un véhicule touristique qui s'est retrouvé nez à nez avec un poids lourd. L'ampleur du choc a provoqué le décès de 4 personnes âgées entre 61 et 5 ans qui ont été déposées à la morgue de l'hôpital de la ville de Ain Lahjel. Les deux blessés âgés entre 9 et 1 an ont été transférés au service des urgences de la même structure hospitalière. Les services de la gendarmerie nationale ont entamé une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame. De Msila Abdelhamid Laïdi pour Alsatian 3. La vague de chaleur qui sévit en ce moment continuera d'affecter jusqu'à dimanche 4 wilayas du sud du pays avec des températures pouvant atteindre, voire même dépasser 49 degrés, annonce en tout cas l'Office national de la météo dans un BMS. Placé en vigilance orange, cette vague de chaleur concernera les wilayas d'Adrar, d'Insalah, Burj Baji Mukhtar et l'ouest de Tamal Rasset. On retrouvera bien évidemment Amin Mounir à la fin de ce journal pour la page météo. Les fortes chaleurs sont le plus souvent à l'origine des départs de feu, des incendies qui peuvent avoir une origine naturelle, mais la responsabilité de l'homme est également engagée. Et pour éviter les scénarios des années précédentes, les autorités publiques ont pris des dispositions, notamment au niveau des régions les plus exposées au risque d'incendie. C'est le cas à Tizi Ouzou, où les responsables locaux de la conservation des forêts et ceux de la protection civile ont déjà mobilisé de gros moyens, parallèlement à une campagne de sensibilisation auprès des citoyens. Le point avec le colonel Abdelhakim Chabour, directeur de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou. Il est au micro de notre correspondant Mohamed Haouchine. On a commencé exactement depuis plus de 2 mois pour la sensibilisation au niveau des villages pour éviter ces feux de forêt. Je reviens au dispositif, donc il y a la colle mobile. On sera aidé par une offre de la wilaya de Naamal. Actuellement, ils sont arrivés au niveau de Tizi Ouzou avec leur colle mobile. Ensuite, on va créer des postes avancés au niveau de Etihia Moussa, de Batka, au niveau de Mekla, au niveau de Farhounen. On va créer un autre au niveau de Wagnoun et un autre au niveau de Zikri. On compte aussi sur la porte, l'appui aérien. Donc, je veux plus du matériel qu'on a, qu'il y a nos frères aussi du sud qui vont prêter main forte pour le mobilier. Et bien évidemment, face à la canicule, des précautions s'imposent pour éviter les désagréments liés aux coups de chaleur, notamment la déshydratation. Quelques conseils avec le docteur Mohamed Sadak Lahdir. Il en parle à Ismaël Mimouni. La plus grande crainte qu'à prévoir, c'est la déshydratation. Il faut essayer toujours de corriger ses apports en eau pour équilibrer le corps. Il faut des apports fréquents en eau par la consommation de certains fruits juteux tels que la pastèque. Éviter l'exposition au soleil pendant les fins de matinée et juste en fin d'après-midi. Il y a aussi cette problématique des toxi-infections alimentaires.
Je conseille le lavage fréquent des mains et il faut éviter de manger dehors, surtout les snacks où les conditions d'hygiène sont très peu respectées. Porter les chapeaux et les casquettes. Il faut aussi bien laver ses fruits et aussi il faut éviter d'acheter un fruit déjà partagé, coupé. Et même s'il est sous cellophane, il ne faut pas l'acheter parce que le fruit n'a pas été lavé avant d'être coupé. Merci docteur. Renforcer les capacités de production de stockage des céréales permet d'assurer la sécurité alimentaire. Il en a été question hier lors de la réunion du gouvernement. La production a été cette année conséquente. À Indefla, elle s'élève à environ 2 millions d'hectares. Pour les stocker, l'entreprise considère à réaliser des silos supplémentaires. Lima Rahmani. Indefla, wilaya agricole par excellence, qui compte pas moins de 75 000 hectares de terres agricoles réservées à la céréaliculture et dans la production avoisine les 2 millions de quintaux, a bénéficié de 11 centres de proximité, dont les procédures administratives et autres choix de terrain et d'entreprises de réalisation ont été effectués, ainsi qu'un silo d'une capacité de 1 million de quintaux situé à Boumetfer, à la sortie est de la wilaya de Indefla, dont le terrain devant recevoir cet investissement est localisé. Il s'agit d'un endroit stratégique limitrophe au chemin de fer, la route nationale numéro 4 et l'autoroute, ainsi qu'aux wilayas de Blida, Tipaza et Medea. Pour le choix de l'entreprise de réalisation, il s'agit de Cosider qui s'est engagé à réaliser ce double silo dans un délai ne dépassant pas les 2 années. Et avec l'achèvement de tous ces investissements, la coopérative des céréales et légumes secs de Khmis Miliana va doubler de capacité de stockage des céréales. Aïn de Flav, Imar Rahmani, Al-Jashan 3. La wilaya de Tizi Ouzou a également bénéficié d'un programme de renforcement des centres de stockage de blé de proximité. On écoute à ce propos Jamel Sersoub, il est directeur des services agricoles de la wilaya. Il est au micro de Smaïl Mimouni. Un parc de 49 moissonneuses-batteuses. Pour les capacités de stockage, la CCLS a mis 2 points de collecte avec une capacité de 185 000 quintaux au niveau du siège de la CCLS et 120 000 au niveau de l'unité de Tedmeïd d'Agrodiv. Un projet de la réalisation de 4 centres de proximité de 50 000 quintaux chacun. C'était le programme décidé par les pouvoirs publics, par le président de la République, réparti sur les zones céréalières, un sur Dreal Mizen, un sur Freha, un sur Swama et un au niveau de la coopérative, au niveau de Zabakhada. Le ministre des Finances, Aziz Faïd, a présidé hier une réunion de coordination regroupant les directeurs généraux et centraux de son département. Une réunion consacrée à plusieurs axes visant à renforcer la performance et la modernisation de la gestion financière, notamment à travers le développement des moyens de paiement électronique et la préparation de la loi de finances. La réunion a permis une présentation détaillée du programme de développement des moyens de paiement électronique conçu par la Direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'État. Le programme tend à renforcer l'utilisation des moyens de paiement électronique pour faciliter les transactions et les opérations, à améliorer la transparence, à diversifier les outils et les dispositifs de lutte contre l'économie parallèle. L'Aziz Faïd a affirmé son engagement à poursuivre les efforts afin de moderniser la gestion financière en accordant un intérêt particulier à l'innovation et à la performance. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Hassi Ben Oqba à Oran a mis un terme aux activités d'une usine clandestine de transformation et de mise en conserve de poissons et de plats préparés. Cette opération a mené à l'arrestation du propriétaire de l'usine et la saisie, mais aussi la destruction de 7 tonnes et 620 kg de produits alimentaires impropres à la consommation, ainsi que 110 kg de produits chimiques toxiques et dangereux. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près du tribunal de Gdeïl pour avoir commis 24 infractions, notamment donc l'exploitation d'une installation classée sans autorisation, absence d'agrément sanitaire et d'inspection vétérinaire, le non-enregistrement de la marque commerciale auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, mais aussi absence d'autorisation et non-respect des conditions de stockage des produits chimiques. Élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, Mustapha Hidaoui appelle depuis Bouira à une forte inscription des jeunes sur les listes électorales pour contribuer à réussir ce scrutin. S'exprimant lors d'un meeting tenu à la Maison de la Culture à Lizamoum, en présence de jeunes issus des différentes communes de la Wilaya, le président du Conseil supérieur de la jeunesse a insisté sur l'importance pour cette catégorie de s'inscrire sur les listes électorales. Les jeunes doivent s'impliquer davantage dans la vie politique du pays, d'où l'importance de les sensibiliser, dit-il, sur l'importance que revêt l'élection présidentielle du 7 septembre.
Le ministre de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Éducation nationale prépare la conférence nationale en présentiel. Elle est prévue fin juin. Elle sera consacrée à la clôture de l'année scolaire 2023-2024. Le premier responsable du secteur, Abdelhakim Belhamed, a présidé hier une conférence nationale virtuelle. Il a donné à l'occasion des instructions et des orientations sur les dossiers à préparer pour la prochaine conférence nationale. Il a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures afin de mener à bien les opérations restantes telles que les examens de rattrapage, la remise des carnets d'évaluation des acquis du cycle primaire ou encore les certificats de réussite aux élèves admis et clôturer ainsi l'année scolaire. S'agissant de la conférence nationale prévue donc fin juin, Belhamed affirme qu'elle sera couronnée par des recommandations et des mesures obligatoires qui serviront de support aux directeurs de l'éducation en matière de traitement des différentes situations rencontrées sur le terrain. On enchaîne avec le dossier palestinien. Deux Palestiniens d'abord, pour vous dire que deux Palestiniens sont tombés en martyr sous les balles de l'armée sioniste ce vendredi à Qalqilia, en Cisjordanie occupée. Mahmoud Hassan Abdelrahman Zaid, 28 ans, et Ihab Abdelkarim Moussa Abou Hamed, 29 ans, ont été tués par des tirs de l'occupation à Qalqilia alors qu'ils circulaient en voiture, indiquait le ministère palestinien des Affaires civiles. Et depuis le 7 octobre 2023, au moins 549 Palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie, assassinés par des soldats ou des colons. Et pour sa politique en coloniale en Cisjordanie occupée, l'entité sioniste utilise depuis 1967 la stratégie du bâton et de la carotte. Elle passe des assassinats aux arrestations arbitraires à l'assouplissement des mesures de répression. Seulement, depuis l'opération Tofan el-Aqsa de la résistance palestinienne, la force ou l'armée d'occupation mène des offensives militaires meurtrière. Décryptage avec Shadi Achafa, il est chercheur spécialiste des questions israéliennes. Il est contacté par Karima Hassawi. Aujourd'hui, la politique d'occupation a changé avec l'arrivée au pouvoir de la droite extrémiste, avec Smotrich à l'administration civile et Ben-Gvir à la défense, pour devenir une question d'ordre sécuritaire seulement. Les forces d'occupation procèdent à des incursions pour affaiblir l'autorité palestinienne, malgré l'opposition des plus importants services sécuritaires israéliens. Ces services considèrent le gouvernement palestinien comme un atout qu'il faut préserver à cause de la coordination sécuritaire. Seulement, de l'autre côté, ils sont aussi partisans de l'idéologie de l'épuration ethnique dont l'objectif est de transformer la Cisjordanie occupée en une région inhabitable et pousser ainsi les Palestiniens à quitter leurs terres. Et cette alerte lancée par l'OMS, la chaleur torride qui règne dans la bande de Gaza pourrait aggraver les problèmes de santé des Palestiniens déplacés par les bombardements sionistes. L'Organisation mondiale de la santé met en avant les déplacements massifs au cours des dernières semaines et des derniers mois et souligne que la combinaison de la chaleur peut provoquer une augmentation des maladies, a déclaré en tout cas Richard Peppercom, représentant de l'OMS dans les territoires palestiniens occupés. Et à cause de la hausse des températures, l'eau est contaminée et les aliments sont détériorés. S'agit-il d'une crise entre Biden et Netanyahou? En tout cas, Netanyahou a publiquement critiqué Joe Biden, accusant Washington de retarder les livraisons d'armes à Israël, qualifiant cela d'inconcevable. De son côté, selon le New York Times, le premier ministre du gouvernement d'occupation est accusé d'actes de déloyauté envers Biden lorsqu'il a accepté une invitation au Congrès. Ces tensions permettront-elles de freiner la machine de guerre de l'entité sioniste? On écoute ce qu'en pense Dimitri Diliani. Il est membre du Conseil révolutionnaire du Parti Fatah. Il est contacté par Karim Hassnaoui. Les tensions qui apparaissent n'apportent rien de positif pour notre peuple palestinien, et tant que Biden n'a pas pris de mesures fermes pour interdire d'alimenter l'entité sioniste en armement et de la financer, tant que Netanyahu et son cabinet criminel continuent de bénéficier de couvertures politiques de l'Occident et des États-Unis, les discours contradictoires entre le président Biden et celui de l'entité sioniste n'apporteront rien de tangible aux Palestiniens qui continuent de subir barbarie et assassinat. Escalade du conflit au sud du Liban, l'artillerie d'occupation israélienne a ciblé à l'aide d'armes au phosphore blanc une zone située à Gaza de Mariho, ce qui a déclenché un incendie dans le secteur selon les médias libanais. Le Hezbollah a de son côté mené des frappes cet après-midi contre les forces d'armée israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Au plan diplomatique,
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé qu'il n'y avait pas de solution militaire dans les affrontements opposant Israël à la résistance libanaise du Hezbollah. Il appelle les deux parties à s'engager sur les voies diplomatiques et politiques qui s'offrent à elles. Des propos tenus au cours d'une conférence de presse tenue au siège de l'ONU à New York. La chef de la diplomatie allemande se rendra de son côté dès lundi prochain au Proche-Orient. Retour chez nous, en cette période qui annonce le début officiel de la saison estivale, vous êtes nombreux, très certainement, à vouloir vous rafraîchir en bord de mer, surtout que le mercure est en hausse. Sora Erzlan a fait un tour du côté des plages de la commune de Zeralda. Parmi les 5 plages que compte cette commune, située à 20 km d'Alger, la plage Saint-Betty, réservée à la base aux pêcheurs et qui était par ailleurs interdite à la baignade. Située à 26 km d'Alger, la commune de Zeralda est très convoitée durant la saison estivale. De par sa position stratégique, cet endroit attire de nombreux touristes nationaux et ceux de nos ressortissants établis à l'étranger. Habitant Bebelouet, Faisal est très content de passer ses vacances en Algérie. C'est aussi le cas de Yassine, très fier de sa commune. Zeralda, c'est une commune touristique. Il y a un Khaloufi de la place familiale. On monte à la rentrée du complexe. Il y a beaucoup de gens qui viennent chaque année passer leurs vacances sur le niveau de la commune de Zeralda. Les magasins sont ouverts. Dans chaque année, tout est prêt, tout est nettoyé par les agents qui font leur travail. Je voudrais ramener ma famille ici pour voir comment ça se passait. Est-ce que c'est toujours familial? Donc après, quand j'ai demandé, j'ai vu la protection civile, etc. Ils m'ont dit que c'était toujours strict, familial. J'ai vérifié, c'est propre. Autre nouveauté de cette saison et qui fera la joie certainement de nombreux estivants, le réaménagement de la plage Champ de Tir, un endroit à l'origine aux pêcheurs. Écoutons à ce propos l'Arbi Saïd, vice-président à l'APC de Zeralda, chargé de l'environnement. On a ouvert une nouvelle plage à l'entrée du complexe de Zeralda. La plage de Champ de Tir, très bien nettoyée. C'est une nouvelle plage, un nouvel accès. On va aménager le shop, donner un goût de l'Afla. La saison estivale s'installe en toile de fond la promotion du tourisme local à travers la révision des prix et l'amélioration des prestations hôtelières au profit de nombreuses familles ayant choisi la destination Algérie pour passer leurs vacances. Et un mot de sport avant de refermer le page de ce journal, championnat du monde de handball des moins de 20 ans en Macédoine du Nord, la lourde défaite de la sélection nationale féminine 38-16 face à la Suède. À propos de handball, le Mouloudia de Bojbouhara est sacré champion d'Algérie après avoir battu Intouta 25-24 cet après-midi à la Salle Hacha. Et puis en basketball, chez les dames, le MCA qualifié pour la finale de la Coupe d'Angle d'Algérie après avoir battu en demi-finale l'USMA 60-50 à la Salle de Hida. Voilà, il est 19h, bientôt 18 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Hafid Meja et Fatah Moukhouk à la réalisation. Nous avons Samir à la technique et Tahar à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous avec El Wali pour le premier flash de la soirée. Tout de suite, la météo avec Amin Mounir. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. Merci de nous rester fidèles.